Bonjour Monsieur Lucien, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis là pour faire la pâle d'été. Ce sera pas vraiment ce que je vais lire. Enfin, je piocherai dedans. Ce sera plutôt une pioche que je verrai avec mes envies de lecture au moment du moment. Mais ce sera une petite pioche d'été en fait. Voilà. En même temps, c'est pour vous montrer les livres. Voilà. Du coup, j'aimerais bien déjà lire L'art du trompe-l'œil. Normalement, celui-là, il va être commencé avant l'été, mais je verrai bien. Voilà. Je vais pas vous parler de quatrième de résumé. Ici, on va parler d'art, d'un jeune homme et une jeune femme un peu qui se déteste. Voilà. Mais je ne vais pas trop vous en parler parce que j'ai beaucoup à vous montrer. J'en ai 28, si j'ai bien compté. Après, celui qui me tente beaucoup, c'est celui-ci. Nistoy Men Love chez Plume du Web de Sanata Morken. Enfin, ici, je sais que ça va parler de détective privé. Jeanne. Du coup, voilà. Je suis désolée, le reflet là-bas, c'est chiant, c'est la fenêtre de là-bas. Voilà. Après, celui que je viens d'acheter, Paul Position, le frère Ryan d'Emlou, Aimé Lou, de Addictif. Il est le meilleur, il va lui prouver. Voilà. Ça parle de voiture. Je viens de l'acheter, j'ai trop envie de le lire. Celui-là aussi me donne très envie de lire. Juste un battement de ton cœur. Je viens de l'acheter aussi. Il est trop beau, la couverture, j'aime beaucoup. Et voilà, je ne sais pas, mais. De toute façon, n'hésitez pas, avec les titres, vous allez les retrouver partout. Hein. Après, ça, c'est sûr que je vais essayer de les commencer cet été. Parce qu'ils m'ont très envie. Voilà, je vous laisse le nom parce que je ne saurais pas vous dire. De Britannic de Cherry. Série 1 de Element. Voilà. Non, c'est le modeste et quoi qui passait, c'est l'étiquette. Il me donne très envie de lire, du coup, voilà. Après, celui aussi qui est à un moment qui est dans ma palle, mais il me donne trop envie, mais c'est une pavasse, ça me fait un peu peur. Celui-là, j'ai envie de commencer. Une pas si jolie rencontre, parce que je crois que le tome 2 est presque sorti, il va sortir. Du coup, voilà, j'aime beaucoup la couverture. Et c'est chez les Roncières. Voilà. Et c'est un triangle. Elle a besoin d'un mari riche, le temps d'une soirée. Il a besoin d'une fiancée enceinte pour conclure un marché. Et si l'amour venait à se mêler. Voilà, il me donne trop envie aussi. Une histoire un peu bizarre. Ce qui vient d'atterrir hier dans ma palle. Betty. Odile à ma porte, Movie, chez Roncière aussi, et en plus il est magnifique, il ouvre ma porte, mon chat. Voilà, et ici parfois on est tellement perdu dans nos propres luminations qu'on passe à côté de ce qui peut vraiment arriver. Voilà. Après, ce qui a longtemps et qui me donne encore plus envie de plus. À chaque fois, il se met dans toutes mes pales. Enfin, à chaque fois, je l'ai envie de le lire et je le lis jamais. Mission. Enfin, c'est le retour du protégé Mission Love chez Black King. Et ici, c'est mon eau de côte. Opération Canopée. Lieu à une zone de très trois terrains. Objectif récupérer l'otage sain et sauf. Voilà. Une ultime combat pour peut-être enfin nous retrouver. Voilà, il me donne aussi beaucoup. Après, ouais, je suis là, qui est sur ma jambe. 3 nuits, 13 nuits, chez Black King. Alice Alim et le 13e, ça ne match pas et ses débuts. Elle est née en. Voilà. Comme mon jour très le 13, c'est mon jour par bonheur et c'est la naissance de ma fille. Ça a toujours été le 13, mon jour par bonheur, et elle est née le 13, comme par hasard. Hein, mon cœur?
Elle est en train de faire dodo, s'endormir tout doucement. Après, il y a Alicia Park, que j'ai trop envie de lire cet été. Ils ont trop envie. Et franchement, bienvenue à Alicia Park, résidentiel plein de promesses et de mystères, sous le soleil de Californie. Voilà. Le deuxième, que je voudrais bien continuer, Sandel, les dieux du campus, tome 2. J'avais lu le 1 il y a un moment, j'espère que je m'en rappellerai. Cet été aussi, je voudrais me les faire tous, comme ça je serai tranquille. J'ai jusque 4, je sais qu'il y en a 5, le 5e vient de sortir en grand format. Du coup, je me suis dit que en lisant les autres, il a le temps de sortir en poche. Après, il y a des petits mangas quand même, je vous les montrer. J'aimerais bien continuer le tome 2, Ultum. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est le tome 2. Et c'est une comédie, romance et regard d'autres. Vous pouvez souvent de ce que vous avez dit à Paris. Je suis prête à écouter votre histoire. J'aimerais bien continuer la suite. Il y a le tome 6 que je vais peut-être me le faire après. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui cloche à la secrétaire Kim, en fait, de chez Kaboom. J'ai vraiment pas envie de lâcher cette série, c'est pour ça en fait. J'ai trop aimé cette série. C'est le dernier tome. Du coup, on va se le faire parce que comme ça, il sera terminé et ce sera encore une série de terminée. Après, je voudrais bien Beauty on. L'histoire de Chapeau Rouge chez Pika Édition Karaki. Voilà, en mot seul, aideur, beauté, complexe. Voilà, et c'est un petit manga. Je sais pas si vous voyez bien, c'est un peu voilà, un peu bizarre, mais voilà, j'aimerais bien me le faire. C'est le tome 1. J'ai que le tome 1. Je m'apporterai les autres si j'en ai besoin. Puis j'ai le tome 1 et 2. Je sais pas, ouais, tome 1 et 2. De à couple au cookie voilà, de chez Pika édition. Du coup, j'aimerais bien me faire le tome 2 pour savoir si je continue ou pas la série. Voilà, après il n'y a plus rien. Je vous montre aussi celui qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai. Le prince charmant existe, il est italien et tueur à gages. Poche. Merde, j'ai plié ma page. Déjà que je l'abîme chez Blacking. Voilà. Il y a ma fille qui me regarde. J'aimerais bien lire celui-ci aussi. Il n'y a pas longtemps qu'il est arrivé. Je sais pas comment ça se prononce. Le diamant hors force de Rachel Ray chez les SK. SK édition, il me donne aussi beaucoup à lire. Voilà. Et dodo mon cœur. Après, il y a celui qui vient d'arriver dans ma palle, qui est la malédiction des roses de KF Break, qui est trop beau. Mais trop beau. Il est petit, du coup, je me dis pourquoi pas. Il fait 300. Ouais, il fait pas beaucoup, il fait 300 pages, quoi. Voilà. Après, le tome 2 de Game, La Faucheuse. J'aimerais bien aussi terminer cette série. Comme ça, je l'aurais lu et terminé. C'est le tome 2 de celui que j'ai déjà lu, le tome 1. Et je crois que c'est en deux tomes. Et c'est très hot, celui-ci. C'est à pas mettre dans toutes les mains de tout le monde. Voilà. Après, il y a encore du loup, Aimé Loup, Black Blues, Love West, chez Additif. Beaucoup l'ont déjà lu. Moi, ça me fait peur parce qu'il écrit petit, j'ai l'impression. Et c'est une coloc paternelle, musique et bien plus encore. Voilà, j'ai un doute sur ça. Pourtant, il est dans ma palle. Du challenge à table. Il faut que je lise absolument normalement, mais voilà.
Après, celui que je suis en train d'abîmer. Celui-ci, Cruelle Revanche, est dans ma palle de Marjorie Rousse. Je crois que celui-là, il a été dédicacé en plus. Voilà. J'ai des petites... Regardez ça. J'ai trop envie de le lire. Je sais même pas si je vais pas commencer par celui-là. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Après, il y a... Un printemps pour se succomber. Pour que je continue, j'ai lu le tome 1. C'est le tome 2, si je dis pas de bêtises. Non, tome 3. Oui, le tome 2, il est où? J'ai pas lu le tome 2. C'est un éver pour je sais plus quoi. Faudra que je regarde parce que j'ai pas lu le tome 3. Le tome 2. Voilà, faudra que je le regarde. Après, il y a Effrosté Cassis. C'est en auto-publié. C'est pas à mettre entre les mains non plus. Je peux même pas vous montrer la première image. C'est super. Voilà. Lui aussi, il est dans ma palle de challenge à table. Celui-là aussi, dans mon challenge à table. C'est Out Love Story de Marie H.J. et F.V.S.K. Qui est aussi dans mon challenge à table. Voilà, il me donne très envie. Quand les dieux maîtres de l'histoire de l'amour décident de s'allier pour tout arriver. Voilà. Après, lui aussi, il est dans mon challenge à table. J'aurais presque fini au bout du rêve. Ça m'ennuie, ça. J'ai jamais retiré. Pourquoi je l'ai pas retiré? C'est et si Tiana avait conclu la peste avec le maître de l'ombre. Voilà. Il est aussi dans mon challenge pour une couverture verte. Il y a celui-là qui me tente beaucoup aussi. C'est encore de H. J'ai beaucoup d'elle. Il suffit d'un peu de poussière d'étoiles. En plus, il est trop beau celui-ci. Mais trop magnifique. Regardez ça. Et j'avais eu le marque, enfin des marque-pages, le marque-page comme ça, un marque-page comme ça, une illustration comme ceci, celle qu'on voit sur la page et une citation. Il suffira un peu de poussière d'étoiles pour éclairer notre chemin. Merci d'avoir illuminé le mien. Voilà. Et les chapitres sont magnifiques. Voilà. Il est dédicacé, mais pas à mon nom. Parce que c'est la dame qui me l'a revendu qui est dédicacée. Mais c'est pas grave, moi je m'en fous. Il est trop bien et c'est le principal. Après, il y a de Chichi, là, je ne sais jamais, qui me donne très envie aussi de le lire. Il est trop beau. J'ai mal. Sirius, il ne veut pas de problème. Cette amitié n'est rien de normal. Et c'est quoi? Et c'est quoi? C'est rien marre d'essayer de rivaliser avec ça. Et un grand temps de choisir. Non, Chek ne fait pas ça. C'est elle qui... Ou moi. Voilà, il me tente beaucoup, beaucoup. En plus, il y a un beau jaspage. Il a un ciré, je crois que ça se dit comme ça. Et j'aime beaucoup la... Je l'avais pas ouvert. C'est le même de l'autre côté? Ouais, c'est le même. Il est trop, trop beau. L'avant-dernier, c'est Love to... Je sais pas vous dire le nom. Et lui aussi, il est trop beau, le marque. Il est juste mauve, et là, il y a des dessins. Voilà, c'est jaune avec des petits trucs de... Et le chapitre, c'est comme ça. Il n'y a rien de spécial dans celui-là. Il donne très envie. Et le dernier, l'amour saveur framboise, qui est trop beau, le marque.
C'est Jaffe Page. Une comédie romantique suspense et une douce poule rebelle et une générale dose de confiture. Oh, lui aussi, il m'a trop envie de lire. Voilà pour les petits livres que j'aimerais bien lire cet été. Mais je sais que je ne lirai pas tout parce qu'avec ma petite crevette qui est en train de s'endormir, elle me prend tellement d'énergie que je sais que je ne lirai pas tous ces livres. Mais on va essayer d'en lire le plus possible et on se tiendra au courant de toutes ces lectures. De toute façon, vous les aurez en vlog ou en point lecture ou. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a un livre qui tente, qui doit sortir le plus vite de ma palle. Dites-le-moi en commentaire. Je sais que vous avez peut-être envie de lire avec moi. Sur ce, moi je vous laisse et je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo de vlog ou tout ce que vous voulez. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde.